Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 14 janvier. C'est le dimanche qui va ouvrir tous les évangiles de Jean sur, je dirais, cette merveilleuse histoire de la rencontre de celui qui est le Fils de Dieu fait homme, l'élu de Dieu, le Messie, le Sauveur, avec tout ce qu'il appelle et qui seront aussi à être appelés à être des élus, pour, c'est-à-dire à être les témoins du Christ, les disciples du Christ, pour apporter cette élection au monde entier. Ça commencera évidemment au bord du lac de Génézareth avec Pierre et André, Jacques et Jean, ces pêcheurs de Galilée. Et ça va se poursuivre tout au long de ce mois de janvier. Je vous invite vraiment à peut-être passer ce mois de janvier avec une série extraordinaire, vous connaissez The Chosen, qui en est à sa troisième saison en France, qui cartonne évidemment aux USA et partout dans le monde, plus d'un milliard de vues. Cette série incroyable où le Christ apparaît dans toute sa vérité d'homme, à la rencontre de tous les hommes, de tous les humains qu'il rencontre, avec cette bonté, cette écoute, cette patience, rencontrant notre humanité avec toutes ses interrogations, ses doutes, ses errements aussi, ses péchés, mais les accueillant avec une miséricorde infinie. La mission, elle est au cœur même de cette élection. À partir du moment où nous avons été comme traversés par la vie du Christ qui nous a aimés, nous avons compris cet amour infini de Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Nous avons envie d'en témoigner, d'être nous aussi envoyés à la pêche, si je puis dire. C'est de cette joie que chante Matt Maher dans The In-Between, parce qu'il est venu au milieu de nous, il est au cœur même de nos vies, et il comprend nos vies, il vient l'assumer, la surélever, la transfigurer. Alors je vous invite vraiment, vraiment à prendre au sérieux tout ce mois tout ce mois qui va nous voir vivre en profondeur l'évangile de Jean. Je vous souhaite un très très beau dimanche. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait venir, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent ce qu'il disait, ils le suivirent. Se retournant, Jésus vit qu'il le suivait, il leur dit « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent « Rabbi, ce que veut dire maître, où demeures-tu ? » Il leur dit « Venez, voyez, vous verrez ». Ils allèrent donc, ils virent et ils demeurèrent. Ils restèrent toute la journée, depuis le 4h du soir jusqu'au lendemain. C'est merveilleux. Voilà, je vous invite en ce premier chapitre de Jean à continuer la lecture avec moi. Soyez bénis. Très beau dimanche à vous.